Bonjour à tous, c'est Axel Braise. Bienvenue dans ce nouveau prank. Aujourd'hui, grâce à cette enveloppe magique, je vais faire augmenter la valeur d'un billet. Et oui, dans la rue, je demanderai à quelqu'un s'ils veulent participer à un tour de magie. Et on va voir comment ils réagissent. Vous êtes prêts? Voici tout de suite ce nouveau prank qui commence maintenant. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, c'est pour ma chaîne YouTube, je suis un magicien de rue. Ouais. Et si vous voulez gagner de l'argent, je peux vous en faire gagner. Gagner de l'argent? Oui. J'aurais juste besoin d'un billet d'une valeur. Ouais. N'importe quelle valeur. N'importe quelle. Ouais, alors j'ai peut-être ça sur moi, ouais. Et je vais vous faire augmenter cette valeur. Vous allez faire augmenter la valeur de mon billet? Oui. Mais c'est sérieux, hein, c'est un vrai truc. C'est hyper sérieux. C'est pour la télévision française? C'est pour Maniac TV sur YouTube. Parce que moi je viens de Suisse, donc je connais pas trop. Sur YouTube, vous nous trouvez facilement. Et c'est grâce à cette enveloppe magique que je vais pouvoir faire augmenter cette... Bah écoutez, j'ai un billet de 20 euros, ça vous ira? Avec ce billet de 20 euros, je peux vous le faire en 200 euros. Ah bah allons-y. N'hésitez pas. Alors, c'est bon, c'est la télévision française, oui. Hein, c'est sûr. Mettez le billet dedans, n'hésitez pas. Alors attendez, je mets là le billet dans l'enveloppe. Le billet dans l'enveloppe. Y'a rien dedans? Y'a rien dedans, vous pouvez vérifier. D'accord. Ouais. Elle est bien fermée. Vous le voyez, elle est bien fermée. Oui, c'est extraordinaire. En plus, j'aime bien la magie. Abracadabra, que cette valeur de ce billet disparaisse et augmente. Ah. Reprenez le billet. N'hésitez pas à reprendre le billet. Ah, mais la couleur n'est pas la même. Ah, merde. C'est pas... Ah merde, je me suis trompé. C'est pas 200 euros ça, monsieur. C'est 10 euros. Ah, ça n'a pas marché. Comment ça, ça n'a pas marché? C'est le billet de 10 euros. Normalement, ça devait monter en 200, monsieur. Je suis désolé. Oui, donc. Ah, bah, c'est nul ton tour. Moi, je veux mon billet de 20. Là. Bah, malheureusement, c'est celui-là, quoi. Il a, à la place de l'avoir augmenté, il a descendu en somme. Je suis désolé. Non, mais j'ai donné 20 euros, moi, de monsieur. Bah, j'ai pas. Je suis désolé, j'ai pas. Vous avez pas quoi? Bah, j'ai pas de monnaie et malheureusement, c'est ce billet-là qui est sorti, quoi. Et non, c'est un piège à touristes ou quoi? Non, mais j'ai donné 20 euros. Non? Vous pouvez vérifier, l'enveloppe est vide. J'ai donné 20 euros. Il est où le billet? L'enveloppe est... Bah je l'ai pas monsieur, c'est celui-là quoi. Arrêtez, non mais c'est bon, moi je suis pas un touriste qui se fait arnaquer. Hein. Je suis désolé monsieur. Non, c'est quoi ça, 10 euros? Ah, je me suis déjà fait arnaquer au blackjack, au machin là, vous allez m'arnaquer? Je suis désolé. Combien de fois? Je suis désolé, bah c'est le billet, vous avez bien vu que l'enveloppe était vide, hein, c'est ce billet-là. C'était un billet de 20 euros, un billet bleu, je suis pas bête quand même. J'ai réussi. Je suis suisse mais je sais quand même du bleu et du rouge. J'ai réussi mon tour de magie monsieur. Parce que mais non, ça devait... vous m'avez dit 200 euros, monsieur. Oui, c'est normalement, mais comme je sais pas en plus faire à l'inverse, quoi. Je sais pas. Je suis désolé, monsieur. Moi, je suis pas venu en France ici pour me faire arnaquer, hein. Ah, vous savez, en France, hein, c'est ce qui se passe, hein. Non, mais je suis désolé, monsieur. Vous avez rien dans les manches, là? Non, monsieur. Arrêtez, garçon, là. J'ai rien dans les manches. Non, ça va pas aller, hein. Moi, je veux mon billet. Sinon, je vais voir un policier, moi. Je suis désolé, ça va pas aller, c'est votre billet. C'est celui-là, mais. Ça va pas, non, c'est pas mon billet, ça. 10 euros. Je suis désolé. Tu sais quand même ce que c'est que 10 euros et 20 euros. Oui, mais c'est votre billet, je l'ai transformé en 10 euros en fait. Alors, je suis désolé. Non, bah, c'est bon. Gérard Majax, là, tu vas arrêter tes tours de magie à 2 francs. Moi, je veux mon billet. Non, c'est 10 euros, monsieur. Ouais, mais je veux mon billet. Je suis désolé, monsieur, je ne l'ai pas. Et on fait comment alors? Bah, je sais pas. Là, j'ai mes 10 euros, puis je rentre chez moi avec mes 10 euros. C'est une caméra cachée, monsieur. C'est pour Axel Braise, c'est sur Maniac TV. Je ne suis pas magicien, je suis. C'est une caméra cachée, la caméra est là. Ah, vous m'avez fait peur parce que j'en avais besoin de cet argent, moi. Et je vais vous redonner votre billet de 20 euros qui est bien ici, monsieur. Oh là 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 là. Mais il était où? Et je vais reprendre ce billet. Non, attendez, celui-là, je le garde aussi. Alors. Allez-y alors. Ah, je peux garder les deux billets. Allez-y, c'est cadeau. Le billet, vous voyez que l'enveloppe est bleue dedans et donc vous n'avez pas vu. Ah, c'est parce qu'elle était bleue et bleue. Voilà. Je suis un peu daltonien. Ah, bravo, c'est sympa, hein. Bon bah écoutez, je reviendrai, votre chapeau il est bien aussi. Allez-y, prenez-le, c'est cadeau. Ah ouais, trop cool, et ta veste aussi elle est bien, c'est sympa. Vous pouvez. Je peux prendre ta veste. Bon. Ça dérange pas, parce que moi je suis suisse, j'aime bien me servir un peu chez les gens. Allez-y, donc, voilà, ça vous fait j'en plaisir. Profite, hein, je suis là. Ça vous voilà, fait plaisir. Monsieur, merci, c'est gentil. Donc voilà, pour ce prank, je vous retrouve très vite pour un nouveau prank, je suis en train de me faire déshabiller en direct, c'est moi, pas j'aime grave. Bien les tours de magie. Surtout alors voilà. Ça se passe bien comme ça. Allez-y. C'est super sympa. Et puis bah, je vous dis à la prochaine hein, sur Maniac TV. Les lunettes ciao. Aussi, merci. Allez, merci les amis. C'est bien la France.